Bonjour à toutes et à toutes, c'est The Cut Mania. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo pour mettre des codes sur Modern Warfare 3 Wii, la version PAL française. Donc, vous montrer comment mettre des codes, comment hacker en fait. Donc voilà. Donc, tout d'abord, il faut installer le logiciel qui s'appelle Code Manager, il est là. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous téléchargez ce logiciel. Donc voilà, il est gratuit, hein, pas de problème. Une fois que c'est fait, vous devez connaître les codes. Donc ces codes, vous les trouvez sur GeckoCode par exemple. Mais il n'y a pas de version française sur GeckoCode. Donc moi, j'ai un site. C'est le site d'un forum d'une team donc où il y a beaucoup de codes. Vous voyez, il y a une bonne partie quand même, hein. Il y a beaucoup, il y a énormément de codes. Donc voilà, et c'est pour la version PAL française. Donc voilà, donc les codes, donc vous l'avez. Donc moi, je lance Code Manager. Donc alors, tout d'abord, ça se présente comme ça. Voilà. Donc ici, dans Game ID, faut mettre l'ID de votre jeu. Donc en ce qui concerne Call of Duty Modern Warfare 3, ce sera SM8F52. Et le F, en fait, c'est pour la version française. Il peut y avoir P et N et E, pardon. P, c'est PAL anglais. Et E, c'est la version américaine. Voilà, donc moi c'est F. Blank Name, donc vous mettez ce que vous voulez, hein, de préférence le nom du jeu. Donc, attendez. Moi je vais mettre Call of Duty MW3, voilà. Voilà, une fois que vous avez fait ça. Alors, vous allez prendre le titre d'un code. Donc, je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? Un truc bien où je vais vous mettre dans la description. Voilà, le missile Predator. Voilà, je vais vous le mettre dans la description aussi. Parce que sur Wii, vous savez qu'il n'est pas le missile Predator. Donc je vais vous mettre deux codes, le missile Predator et le mode infecté. Voilà, donc il faut que je les trouve, hein. Excusez-moi. Donc déjà, le mode infecté, il était là, je l'ai vu. Je l'ai passé trop vite. Voilà, le mode infecté. Donc vous voyez le titre. Donc le titre. Voilà, vous le copiez. Et voilà. Donc là, vous faites add code command catégorie. Là, vous cliquez. Et là, vous collez le code là-dessus. Enfin, le titre. Là, vous faites OK. Ensuite, vous cliquez dessus. Et là, dans content code, vous copiez le code. Donc là, le code, c'est ça. Donc vous le copiez, pareil, vous le collez. Voilà. Ensuite, on va prendre le missile. Donc il est juste là. Missile printemps. Donc vous faites la même chose. Vous le copiez. Vous copiez le titre. Vous faites add code commentary. Vous collez. Et donc là, pour valider en fait un code, faut cliquer. Donc pour valider par exemple l'infecté, faut cliquer sur un autre code. Donc vous cliquez et là va vous demander voulez-vous bien enregistrer et tout, vous faites oui. Voilà. Donc c'est tout. Et donc missile Predator, vous mettez le code. Voilà. Et là, vous cliquez donc sur un autre code. Ça va valider. Voilà. Donc ensuite, vous mettez votre carte SD dans l'ordinateur. Donc moi, c'est déjà fait, hein. Elle est là. Donc normalement, votre carte SD doit se présenter à peu près comme ça. Surtout avoir code et text code. Donc text code, ce sera tous vos codes en fichier texte
pour éviter de les retaper à chaque fois, vous faites donc vous les enregistrez ici. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc pour, si je veux l'enregistrer lui, alors je fais file, on fait save as text et file. Ensuite vous choisissez le chemin d'enregistrement. Alors ça rame un peu moi. Voilà, donc on choisit le chemin. Donc je choisis ma carte SD, oui. Donc texte code et voilà. Et là vous mettez le nom que vous voulez. Donc moi je vais mettre test. On enregistre. Et là il va être dedans. Voilà, vous voyez, il est là. Et quand vous l'ouvrez, vous voyez directement les codes que vous avez mis. Donc voilà, ça vous met la version, ça vous met le nom, le code, le nom, le code. Voilà. Donc il y aura ça pour tous les fichiers. Ça vous évitera de les retaper après. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait enregistrer sous texte, en format texte, vous faites export tout GCC, tout GCT, excusez-moi. Voilà, vous cliquez dessus. No code selected. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de les cocher. Donc faut les cocher les deux. Voilà. Et là, vous faites export tout GCT. Là, ça vous met un truc parce que je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Ah oui, parce qu'il n'y a, y a pas de, y a pas de chemin mis. C'est parce qu'on va le mettre, le chemin. Voilà. Donc là, vous allez dans votre carte SD. Voilà, vous allez dans code, dans le dossier code, pas dans texte code cette fois. Voilà. Et là, vous verrez tous les jeux, en fait, les codes des jeux. Donc lui, donc je vais le supprimer, hein, c'était mon ancien. Quoique non, je vais pas le supprimer, parce que je lui tiens beaucoup, en fait. Voilà, donc bien important, vous enregistrez en. Si quand vous l'enregistrez en GCT, vous mettez le nom, l'idée du jeu. C'est très important, sinon ça marche pas. Donc vous mettez SM8, machin, machin. Vous faites enregistrer. Moi je vais pas le faire parce que j'en ai déjà un. Et si vous en avez déjà un et vous voulez le remplacer, bah tout simplement vous le supprimez. Voilà, tout simplement vous le supprimez et vous mettez lui à la place. Voilà. Donc vous l'enregistrez. Ensuite, quand c'est fait, vous mettez votre carte SD dans l'ordinateur. Non, dans la Wii, pardon. Vous lancez une chaîne comme Uploader, WeFlow, NeoGamma. Dans les configurations, vous mettez. Je sais plus trop comment ça s'appelle, je vous le mettrai dans la description. C'est dans les configurations, il faut aller dans cheat, code. Je sais plus quoi, et faut mettre un truc bizarre, mais je vous le mettrai dans la description. Donc voilà, c'était The Cut Mania pour vous montrer une vidéo pour mettre pour cheater le jeu Modern Warfare 3 sur Wii en version française. Voilà, au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos.